Subscribe to our channel. Je suis un peu matinale aujourd'hui, comme d'habitude, comme tous les matins. Là, je dépose les enfants à l'école. Puis il y a des choses que je vois un petit peu tourner sur internet qui risquent de m'énerver très vite. Donc, je préfère faire une story maintenant et vous expliquer les choses. Par quoi commencer ? Il y a quelques années de ça, Marc avait fait des stories sur. Les conflits entre Ayem et son ex-mari, notamment les difficultés, donc il avait parlé un peu des difficultés qu'il rencontrait pour la garde du petit, puisque le mari, à l'époque, l'ex-mari, pardon, d'Ayem, Vincent Miquelet, avait donc contacté Marc et d'autres personnes pour faire valoir ses droits, puisque Ayem est une personnalité publique, et du coup, c'était. Un peu le seul moment d'impression qu'il avait trouvé pour pouvoir voir son fils et régler ses affaires avec elle. Marc avait parlé de ce sujet-là, mais il n'était pas le seul. Pour les personnes qui étaient là depuis le début, il y en a beaucoup qui le savent, donc du coup qui ne rentrent pas dans le panneau des débiles qui parlent de ça. Il y avait aussi TMZ, qui avait donc, son compte Instagram, parlait aussi de l'histoire d'Ayem. Sauf que quand Marc en a parlé, ben, ça ne lui avait pas plu. Donc, elle nous avait insultés, elle nous insultait absolument tous les jours. Hein. Quand elle insulte quelqu'un, vous voyez ce qu'elle fait avec Ayem, elle est virulente, elle lâche rien. Bref, à l'époque, c'est pour ça que ça me fait bien rire quand les gens ils disent la DTMZ, bon, de débile. Elle nous a contactés, je lui ai dit c'est pas le cas. Et voilà, qu'on en avait discuté, on est revenu sur le sujet, fin de l'histoire, et voilà, après tranquille. Donc on est devenu rigoler ensemble, on est devenu potes, bref, on s'en fout, enfin potes virtuels, quoi, on s'est compris, on discute et tout, tranquille. Récemment, il y a eu un souci donc avec Ayem qui a pris son enfant, qui a été récupérer son enfant à l'école, alors qu'il était avec son papa. J'ai vu que Vincent Miquelet donc avait fait un post et qu'il avait également repris TMZ et elle a donné des éléments dans sa story qu'effectivement. J'ai eu aussi, puisque moi, je ne suis pas en contact avec Vincent, mais je suis amie avec la femme de Vincent Miquelet, qui est Angelina, qui est mon amie maintenant depuis l'époque où Marc avait raconté un peu toute l'histoire d'Ayem. Et Angelina et moi sommes vraiment restés très proches, nous sommes restés amis. Donc hier, on a discuté et elle m'a envoyé effectivement tous les éléments, les échanges qu'ils ont eu avec Ayem et tout ça. Et j'ai vu l'historique TMZ. Effectivement, je pense que Vincent a dû lui envoyer aussi ou va lui envoyer, qu'importe. En tous les cas, elle m'a expliqué un petit peu tout ça. Moi, je vais être franche et transparente avec vous. J'en ai pas parlé, je n'ai pas partagé ça puisque ils ont partagé la photo de l'enfant d'Ayem. Je ne partagerai jamais la photo de l'enfant de qui que ce soit. J'ai des enfants, je ne les montre pas sur les réseaux sociaux. Les enfants n'ont rien demandé. Et donc, je partage pas la photo des enfants des autres. Comme ça, les choses sont claires. Et surtout, c'est délicat parce que il y a eu un premier conflit et on en avait déjà parlé. Et c'est, en toute transparence, pas quelque chose que, genre, j'ai kiffé qu'on fasse à l'époque, qu'on discute de ça, qu'on mette ça en lumière parce que, bah, voilà quoi. Tu fais des erreurs, hein, comme tout le monde, on en a fait et on en refera sûrement. Mais t'as vu, si on peut quand même essayer de s'améliorer, on s'améliore. Et parler des histoires comme ça, surtout quand il y a un enfant au milieu, c'est pas terrible. Donc voilà. Moi, personnellement, j'ai pas envie de m'exprimer sur ça. Tu sais qu'Angelina est mon amie. Je sais qu'elle aimerait qu'on en parle, que j'en parle. Elle aimerait peut-être en parler. Qu'importe. Elle verra ce qu'elle a envie de faire. Si elle a besoin de mon soutien, je lui donne à 100%, puisque des échanges que j'ai vus, c'est vraiment dégueulasse. Ce qui se passe, vraiment. Clairement, il s'agit d'argent. C'est l'argent qui est au milieu, encore une fois, et il y a les échanges. Ça fait mal au cœur de dire ça. Maintenant, j'espère que ça va se régler en interne. Encore une fois, bah, il y a le petit au milieu, c'est lui qui subit. Dire surtout, c'est qu'en aucun cas, des cassos, haters, privés, qui que ce soit, j'ai pas besoin de m'appeler TMZ, TMX ou qui que ce soit. Je m'appelle Nadé. J'ai envie de publier quelque chose, je le fais au nom de Nadé. Et personne ne m'impressionne. Vraiment, redescendez tout sur terre. Si j'ai envie de parler d'Ayem, de mettre les échanges, je le ferai. Maintenant, je ne partagerai pas d'enfants, je ne le ferai jamais. Avant que je commence à voir des... Comme là, je commence à voir un petit peu des... Oui, t'as des enfants, tu mets un enfant. Allez taper votre tête dans un mur. Occupez-vous de vos secrets. Il n'y a personne qui met des enfants, personne ici. En tous les cas, pas moi. Et je ne posterai pas ça sur mes réseaux. Et je n'ai pas besoin d'un compte pour poster les choses des autres. Si je devais poster des enfants, je les posterai sur mes réseaux. Et je vous dois rien. Donc,
essayez d'aller faire votre vie ailleurs, arrêtez de croire que j'ai besoin d'être qui que ce soit. TMZ, pour ceux qui ont connu l'histoire dès le début, elle parle avec Vincent avant nous et elle avait bien le seum, elle nous avait bien insulté à l'époque. Donc pour ceux qui viennent d'arriver avant-hier, essayez de vous renseigner avant de parler. Encore une fois, ça m'énerve quand on m'accuse de poster des trucs qui ne sont pas moi. C'est, je ne poste pas d'enfants et je ne le ferai jamais. Et si je devais le faire, je le ferais de mon compte parce que je vous emmerde et vous n'impressionnez personne. Désolée d'être vulgaire, mais vous connaissez quand je commence à me chauffer, ça y est, ça monte au crâne. Bref, tout ça pour dire que je préfère laisser les personnes... Sur ce, j'ai fait mon petit coup de gueule. Maintenant, je vais me poser. Je vais me reposer un peu parce que j'ai vraiment pas dormi. Donc, go me reposer et on verra tout à l'heure. Je pense que j'aurai un peu plus de nouvelles pour la suite de tout ça. J'espère juste que ça va vraiment vite se régler. Parce que franchement, de ce que j'ai lu, je suis dégoûtée, écœurée. C'était trop de la peine. On l'a fait vraiment, vraiment trop de la peine pour moi.